Comment réagir à l'arrêt du traitement? Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Comme tu le sais, chaque semaine, je publie une capsule vidéo pour t'aider à avancer et à concrétiser tes essais bébés. Alors cette semaine, j'ai reçu une question qui m'a vraiment interpellée parce que c'est vrai que j'y ai aussi été confrontée, qui est de savoir comment est-ce qu'on réagit face à l'arrêt du traitement. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que oui, c'est possible. Alors oui, je t'explique ça parce que tout simplement, moi, quand j'ai démarré mes essais bébés, j'étais tellement évidemment convaincue qu'une fois que j'étais dans le cadre d'un suivi, d'une prise en charge en termes de PMA, quelque part, il y avait un parcours, un tracé logique. Alors, bien sûr, il y avait une incertitude quant au résultat, on est d'accord. Mais malgré tout, il y avait des pistes que je n'avais pas du tout envisagées. Comme par exemple, l'arrêt du traitement en plein milieu. Alors, c'est quelque chose qui, oui, existe, c'est quelque chose qui arrive, et donc d'où l'importance aussi de bien vérifier toutes les pistes, toutes les options possibles, et donc de poser le plus de questions possibles à ton médecin. Oui, il est parfaitement possible que le traitement soit arrêté en plein milieu. Il y a évidemment énormément de facteurs qui peuvent expliquer cela. Le facteur le plus courant, c'est tout simplement que le corps ne réagit pas correctement au traitement. Ça ne veut pas dire pour autant que ton corps ne réagira pas mieux avec un autre traitement. Donc je sais que quand la décision est prise d'arrêter le traitement en plein milieu, c'est une épreuve de plus à encaisser. C'est un peu comme si le ciel te tombait sur la tête. Et c'est vrai que quand cette question m'a été posée, ça m'a rappelé beaucoup de choses parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage, qu'on imagine. Et on vit ça évidemment comme étant une terrible épreuve supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes les difficultés qu'on a à endurer quand on essaye d'avoir un bébé et qu'on est confronté à l'infertilité. Pourtant, j'ai quand même envie de relativiser un peu ça. Pourquoi ? Parce que c'est quand même préférable d'interrompre un traitement en plein milieu pour la bonne cause, c'est-à-dire pour te permettre de te proposer un nouveau traitement qui va permettre à ton corps de mieux réagir. Si un traitement n'est pas adapté, ça ne sert à rien de continuer, ce ne sera qu'encaisser un échec supplémentaire. Donc il vaut mieux arrêter directement le traitement et passer à une autre solution, à une autre option. L'arrêt d'un traitement ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'option derrière, c'est ça qui est important. Et souvent, là où ça coince, c'est parce que c'est comme je te le dis, c'est que on n'est pas suffisamment averti en amont que c'est une possibilité. On est tellement dans l'idée de on est suivi, on a des injections, on a un traitement, on a des injections, on a plein de trucs, que finalement on se projette d'entrée de jeu jusqu'à la fin. Enfin, quand je dis la fin, c'est en tout cas jusqu'au moment où il y a la ponction, une insémination, etc. Sauf que il y a d'autres choses qui peuvent arriver en cours de route, et donc c'est vraiment important, encore une fois, je le dis assez souvent, mais d'avancer un pas à la fois, sans pour autant te projeter jusqu'au bout du parcours, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et le fait de pouvoir avancer, c'est ma technique des petits pas, c'est d'avancer un pas à la fois, le fait d'avancer un pas à la fois et d'aller de jour en jour, te permet d'être beaucoup plus flexible dans ta manière de réagir et du coup de ne pas considérer ça comme une épreuve atroce et comme si le ciel te tombait sur la tête. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout dans tes projets, donc c'est vrai que ça peut être perçu comme étant quelque chose de très difficile, mais encore une fois, il vaut mieux s'en apercevoir à temps. Ça montre que ton centre et ton médecin te suivent correctement, qu'ils veillent à ce que tout fonctionne correctement, donc c'est plutôt bon signe malgré tout, même si c'est peut-être pas comme ça que tu le prends au départ. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette capsule vidéo t'aidera à relativiser si jamais c'est une situation que tu as déjà rencontrée. Et si c'est une situation que tu n'as jamais vécue, je t'invite en tout cas à garder ça en tête et à te dire que ça reste une possibilité. Et encore une fois, ça ne veut pas dire derrière qu'aucune solution, aucune autre alternative ne te sera proposée, loin de là. D'accord ? Voilà, c'était Mia de Positive Mind Attitude. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Comme tu le sais, tu peux également me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Pinterest. Je suis présente sur YouTube, de quoi te permettre de bénéficier de tous mes conseils quotidiennement. Comme tu le sais, cette capsule paraît évidemment une fois par semaine. Et bien sûr, si tu as toi aussi un sujet que tu aimerais que j'aborde, je t'invite à me contacter et à me laisser un commentaire au-dessus ou en dessous de la vidéo pour m'en faire part. À côté de ça, comme tu le sais, j'accompagne évidemment, grâce à des programmes d'accompagnement, les femmes qui sont confrontées à l'infertilité.
Si c'est ton cas, si tu es concerné par ça, eh bien je serai ravie de t'accompagner sur le chemin de ta future maternité. Et pour cela, il te suffit d'aller sur mon site www.positivemindattitude.com. C'était Mia de Positive Mind Attitude et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine capsule vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi.